Et salut tout le monde, c'est Globcoaster. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons devenir Shanks. Du coup, pour cela, nous allons débloquer son épée et je vous ferai en plus un petit tuto de comment la débloquer. Déjà, nous allons devenir Shanks. Hop. Pour ça, on a juste à aller dans l'eau. Hop. Hop. À mourir et... Et voilà, nous sommes Shanks. Hop, magnifique. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à obtenir son sabre. Oula, c'est vrai qu'on est tout lent du coup. Du coup, première étape pour obtenir son sabre, faut aller à la jungle. Hop, hop, punaise. On va réinitialiser le personnage pour pouvoir avoir toute notre vie. Et donc aller vite avec notre fruit du light. Oula, oula là là là. C'est que je suis pas malin, là. Hop, c'est parti. Pendant que nous sommes à la jungle, nous allons pouvoir faire un petit spin. Tiens, en plus, il y a déjà quelqu'un qui attend. Hop, oups, je lui ai mis des dégâts. Petit spin des familles. Hop, fruit aléatoire. Acheter. Oh, bah... Le fruit noir, ça va, c'est pas mal. Hop, on store. Et du coup, ça nous fait fruit du gosse, fruit du diamant, fruit noir, fruit du sable falcon, bombe hachée. Ah, et c'est vrai aussi, j'ai Rumble. J'ai retrouvé Rumble par terre hors vidéo. Du coup, la première étape pour pouvoir trouver le petit fruit, pour pouvoir avoir le sabre, c'est tout simplement d'allumer des plaques qui sont situées sur les arbres. Ouais, la première, là il y en a une là, hop, on l'a allumée. Il y en a une là-bas, ici là. Bon voilà, je l'ai déjà allumée. Il y en a une là, hop, juste ici, pouf, allumée. Et il y en a deux sur l'île là-bas. Deux là, une là, bah, que j'ai déjà activée. Et une dernière là. Hop. Une fois que vous avez activé ces 5 plaques, il n'y a aucun message pour vous prévenir. Mais vous allez au centre de l'île dans le bâtiment là. Hop là. Nous y voilà. Et normalement, un passage secret a été ouvert. Vous rentrez dedans. Et il va y avoir une torche avec des énigmes. Là, terre de sable, c'est pour parler du désert. Là, sombre dans un bâtiment. Apporter la lumière. Bah, en fait, il faut apporter la torche à l'île de sable. Où est-ce qu'elle est, l'île de sable? Si je me trompe pas, elle est tout là-bas. Hop, c'est parti. Allons-y. Et du coup, avec cette torche, il va falloir faire brûler une porte qu'il y a dans une maison. Qui va donc permettre d'obtenir une sorte de petit bol. Une sorte de coupe. Hop, on va là-bas. C'est parti. Voilà, on est arrivé. Quand vous arrivez en bateau, vous arrivez là. Et du coup, vous prenez votre torche. Vous rentrez dans cette maison. Comme ceci. Et avec votre torche, vous allez faire brûler la porte. Vous restez collé. Et hop, voilà. Là, voilà, il faut remplir la tasse d'une fuite. C'est pour dire qu'il faut prendre la tasse. Là, vous allez voir, votre tasse, elle sera vide. Il n'y aura pas d'eau dedans. Et il faudra aller à l'île de la neige, là où il y a... bah celle-là, là-bas, là. Où on peut acheter l'aura, l'étape flash et le haki. Hop, on passe où? Bah là. Il y a un Bouddha, V2 en plus, allez. Hop, on passe au-dessus des starters pirates. Pourquoi vous essayez de désactiver mon vol, là? Je suis pas signé pour ça, moi. Hop. Voilà. On va à la zone là. En même temps, on va voir s'il y a aux deux spawns de fruits, s'il n'y a pas un fruit. Ah, je suis à court d'énergie. Non, 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 non. Oula. Voilà. Et il n'y a pas de fruit là. On va voir au spawn en haut.
Aucun fruit non plus, bon tant pis. Du coup, vous prenez votre tasse en main. Vous allez parler à lui là. Hop. À l'homme malade. Vous dites aidez, il a tellement soif. Du coup, avec votre coupe, vous allez aller dans cette pièce là. Et comme vous pouvez le voir ici, il y a de l'eau qui tombe. Du coup, voilà, vous mettez votre coupe au-dessus de l'eau qui tombe. Ça va donc remplir la tasse. Et hop. Après, avec cette tasse, vous allez reparler à l'homme malade, là. Hop, il est là. On reparle à l'homme malade. On fait aider. Merci beaucoup. Votre fils, il dira que bah, il aura aimé la récompense. Et comme récompense, il vous donnera le fait d'aller voir son fils, qui est un homme riche, au village de pirates. Du coup, allons au village de pirates. Là, il y a la jungle. Il est là-bas, le village de pirates. On voit qu'il y a un petit drapeau. Oula, deux énergies, il va me manquer. On va faire un petit arrêt. Hop, ici. Hop, et on va au village de pirates. Là, vous voyez, le village de pirates, c'est juste à droite. Hop, il y a la scie. Hop, 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 on va se faire la scie, là. Hop, et on m'a pas attendu pour faire la scie, là. Hop, moi, je veux les récompenses, moi. Oh, en plus, on a eu sa scie à requin. Petite sword sympa. Et pas mal de mastery. Bon, du coup, où est-ce qu'elle est? Là-bas, le village. Vous voyez, c'est à gauche de la jungle et à droite de l'île de sable. Oula. Vite, 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 vite. Une fois arrivé là, vous allez parler à cet homme-là. Bonjour, bonjour. Merci d'avoir aidé mon père, mais un chef de la mafia a volé tout mon argent. Ce chef de la mafia, il est situé là-bas. Vous voyez ici, là, on est au village de pirates. Vous allez juste à côté des brutes. Là, il y a le petit caillou, et puis c'est l'île là-bas. Hop. Oula. Hop. On va le éliminer. Allons l'éliminer. Hop, hop, hop. Voilà. Allons-y. Et ici, il sera là, dans la grotte. Bon, moi, je vais prendre mon petit Bouddha pour pouvoir l'éliminer. Ça va être beaucoup plus rapide. Moi, pour faire cette sketch, je vous conseille fortement d'être niveau 250. Parce que c'est le niveau du boss là, là. Il est niveau 250. Hop, on le bat, on le bat. Ah non, il est niveau 120, mais moi, quand même. Donc, je vous conseille d'être niveau 250. Je vais activer mon haki. Hop. On le tape, on le tape, on le tape, on le tape. Voilà, là cette fois-ci on a un message qui nous dit d'aller parler à l'homme riche. Hop, on se détransforme. On va prendre le petit coffre. Du coup, vous allez reparler au monsieur qu'il y a village de pirates. C'est parti, village de pirates. Hop. Une fois que vous êtes arrivé au village de pirates, vous allez parler, bah du coup, vous allez retourner parler à l'homme riche. Parler, et il vous a donné une relique. Cette relique, vous allez devoir retourner à la jungle. Est-ce que j'ai mis mon home là-bas? Ok, non, il est à la prison. Vous allez retourner à la jungle. Hop là. Retour à la jungle qui est juste là. Vous descendez. Quand vous arrivez en bateau, du coup, vous arrivez là. Je vais vous faire comme si vous arrivez. Vous arrivez là et vous allez vous diriger vers la zone du spawn où vous pouvez acheter un fruit. Comme vous pouvez le voir, là, il y aura un petit trou avec un trou, quoi. Vous devez mettre votre relique dedans. Oh. Ça va vous ouvrir une porte. Et normalement, ici, il y aura chance. Mais il n'est pas là, je vais donc changer de serveur pour pouvoir le trouver. Et je vous retrouve quand... Il re tout le monde, du coup il y a chance. Bon, il y a déjà quelqu'un qui est en train de le battre, mais nous on va y aller aussi. Je prends mon petit Bouddha et je le frappe, parce que c'est moi le vrai chance. Il n'y a aucun autre personne n'est chance.
Bon, je suis en train de me faire battre, mais ça, c'est un détail. Aïe, 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 aïe. Je vais sortir dehors et je vais le frapper comme ça va être plus pratique. Je sens que c'est le mec là qui va m'éliminer parce qu'il a l'air d'avoir activé son PVP. Aïe, 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 bou, 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 bou. Donc, puis on continue à le frapper en boucle. Bon, voilà, bon, je suis mort. Le mec m'a tué avec son feu de la flamme. Tant pis, on y retourne. Je reprends mon petit Bouddha et on va le frapper au maximum jusqu'à ce qu'il meure. Et normalement, à sa mort, on a 100% de chance d'avoir son sabre. On tape, on tape, on tape, on tape. Bon, il a combien de vie là? Voilà. Vous voyez, je viens de le battre et directement, ça m'a donné son sabre. Je vais le masteriser, puis après, je vais vous montrer ce que donnent les attaques. Et on va aussi possiblement lever 2. Je ne sais pas si c'est possible en C1, mais du coup, je vais essayer de lever 2. Voilà, c'est une arme légendaire, ce qui est pas mal quand même pour la C1. C'est une très bonne épée. Et du coup, je vous retrouve quand il est full masterisé. Et re tout le monde, c'est Globe Coaster. Du coup, on a réussi à mettre le petit sabre de Shanks mastery. 126, du coup j'ai débloqué les deux attaques. La première attaque c'est la ruée mortelle. Ça ressemble à ça. Et la deuxième attaque ça ressemble à ça. C'est le triple slash. J'ai regardé ce qu'il fallait faire pour mettre le sabre de chance en V2. Et il faut 1 million de primes ou d'honneur. Et bah je ne les ai pas. Voilà, du coup, ça sera pour une autre vidéo, la vidéo du sabre de chance. Hop, regardez, 420 et 405, un peu moins. Et du coup, voilà. Aussi, dans cette vidéo, je vais vous annoncer le gagnant du iceberg. Hop, regardez. Et du coup, le gagnant du giveaway, c'est ZDFR Louis. N'hésite pas à mettre un commentaire pour revenir chercher ton cadeau. Et du coup, voilà. Hop, on retourne là. Et du coup, les gars, n'hésitez pas. Ah, si. Et du coup, les gars, aussi, je vais remercier Ripindra qui m'a offert un cadeau. Je vous mettrai le screen du moment bah, avec lui. Du coup, voilà. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire. Et aux 100 abonnés, je vous offre un x2 monnaie. C'était Globe.